Ouais, big up, c'est les abonnés, salut les nouveaux abonnés, donc de retour au bercail, fin de livraison, donc en rentrant il y a eu dans un immeuble à côté un problème de fuite, fuite de gaz apparemment, donc il y avait les pompiers tout ça, les gens étaient évacués, au final le problème était résolu apparemment, donc les gens ont pu regagner leur logement, leur habitation. Donc voilà, donc je me doutais au début, j'ai pas vu de flammes ni de fumée, donc j'ai pensé, en regardant, il n'y a pas assez de flics, donc je me suis dit, c'est pas, y a pas un terroriste ou je sais pas quoi, ou qui viennent le péter, donc probablement une fuite de gaz, vu la logistique qu'ils étaient. Après, donc moi aujourd'hui, j'ai retrouvé dans mon pneu arrière de mon VTT électrique une agrafe. Donc comme le pneu à l'arrière est déjà bien lisse, il faut que je le change. Donc l'agrafe a percé aussi ma chambre arrière. Donc j'étais en pleine heure de livraison. J'ai senti la roue arrière qui partait à droite à gauche, je me demandais ce qui se passait, c'était pas des vis ou coquesses. Au final, j'ai touché le pneu, j'ai constaté que il était dégonflé. Et puis après, hein, j'ai continué à rouler, je me suis dit, bon, je vais le regonfler, je vais trouver une pompe en ville et je vais le regonfler. Puis au final, bon, bah, il était. Je me suis aperçu après qu'il était crevé, j'ai entendu la fuite et j'ai retrouvé donc une agrafe planté dans le pneu, j'ai enlevé et puis bon, il s'est dégonflé. Donc, je pense pas, c'est peu probable de mon côté que j'ai roulé sur une agrafe et que l'agrafe se soit plantée dans le pneu. Il aurait fallu qu'elle soit debout comme ça, qu'elle tienne en équilibre. Et quand je passe dessus, elle se plante. C'est pas impossible, mais c'est peu probable. Et donc, ce que la cause la plus probable, c'est que quelqu'un m'a planté une agrafe dans mon pneu arrière. Donc j'ai dû arrêter. Voilà, ça m'a un peu perturbé l'activité. Et donc du coup, ben, demain, si Dieu le veut, je vais le réparer. Je vais réparer tout ça. Alors, je vais mettre une chambre à air autoréparante et un nouveau pneu. Vérifier les plaquettes de frein et compagnie. Donc pourquoi? Parce que le BTT, bon, au niveau de l'autonomie, bon, la batterie, c'est le 48 volts, 8,8 ampères, qui est un moteur de 250 watts. Avec une batterie comme ça, moi je fais 2 heures en tapant des bonnes côtes. Après, le moteur dans les côtes à 90, il peine. Il est pas assez puissant. Dans les côtes à 60, tu auras plus. Il va plus sentir l'assistance, mais dans les côtes à 90, il peine. Donc moteur pas assez puissant, plus 500 watts faudrait. Et la batterie, donc minimum 11 ampères, voire beaucoup plus pour faire de la livraison en continu. Donc il faudrait une batterie 17, 18, jusqu'à 24 ampères, qui te permettrait de faire, plus il y a d'ampères, plus tu fais, t'as plus d'autonomie en fait. Donc voilà, donc la batterie coûte cher. Donc c'est pour ça j'ai deux vélos, l'autre j'ai un VTT, celui-là il va bien aller pour emprunter des trajets difficiles, un petit peu hors sentier on va dire. Au niveau des plaquettes de frein, t'as un meilleur freinage que sur des patins. Et puis l'autre, le VTC, donc c'est 36 volts, les batteries elles sont en dessous de 8 ampères je crois. Tu as une plus longue autonomie pour les balades. Donc il faut quand même dans une soirée, quand je commence à 19 h jusqu'à 23 h, tout ça, que je fais des trajets assez longs avec les côtes, ben, je bouffe les deux batteries, elles y passent. Donc on me dit, ben, pourquoi tu as deux vélos? Parce que le premier vélo, il me sert pour la journée, livraison de la journée, et le soir, je suis obligé de passer au deuxième vélo, parce qu'avec le premier, je ne peux pas continuer. Donc le deuxième vélo, je vais être plus confortable, au niveau de l'assise, tout ça, dos droit. Ça a pu s'aller pour la ville, pour la balade. Donc les longs trajets, tout ça, ça va être impeccable.
un vélo ou donc petit moteur à l'arrière, par exemple 250 watts, dans les côtes, même à 60, faut quand même pédaler. Alors dans les côtes à 90, là il y a l'assistance, elle n'existe plus. Donc voilà, celui-là tu vas quand même pédaler. Vélo assez lourd aussi, donc sur le plat tu traînes. Donc voilà. Donc pour la balade, tu balades ou t'as l'assistance qui t'aide, mais tu traînes sur le plat, tu traînes. Donc voilà, on se demande pourquoi j'ai deux vélos. Ben voilà la raison pourquoi j'ai deux vélos. Parce que même avec deux vélos, moi je sais pas comment faire, de mon côté, je bouffe les trois batteries, elles y passent. Surtout le VTT, voilà, depuis que j'utilise le VTT, je pars de là où j'habite actuellement, pour me rendre dans la zone de livraison, soit en ville, déjà le trajet, déjà, ça va me bouffer un trait. Et quand j'arrive, si je me tape la côte, tout ça, donc la batterie en 2 heures, elle est morte. Donc après, voilà, j'ai pas le temps de la recharger. Parce que où j'habite, au centre, la zone de livraison, à la distance, il y a quand même un bon petit bout de trajet. Voilà, faudrait que je déménage. Je suis pas, je suis désaxé là où je suis. Voilà, ça va pas. Je suis trop hors zone. Je perds trop de temps. Voilà. Donc, pour le moment, je suis là. J'ai pas trop le choix. Je suis bloqué. En plus, en vue des tarifs à la baisse de chez Deliveroo, c'est pas comme ça que je vais pouvoir prendre un logement à 500 balles par mois. C'est ce que je veux dire. Puis, on a le problème du cautionnaire. Hein. C'est FSL. Les cautionnaires ne cautionnent pas comme ça non plus. Donc là, voilà. Là, je suis là pour le moment. Donc là, c'est. C'est animé. Quartier animé. Donc c'est pas là. Je vais monter un home studio. C'est ce que je veux dire. Donc c'est pas là que je vais pouvoir faire mes enregistrements. Bon, ça pourrait être pire encore. Voilà. Voilà. Sinon, de mon côté, les services TomTom Coursier que j'essaye d'implanter. Que j'essaye d'implanter là dans la zone, donc difficilement. Donc là, ça, ils sont avec des T-Max depuis tout à l'heure, ils ont vu ces qualifiés, tout ça, là, ils sont. Ils ont faim fou. Donc voilà, et en plus le T-Max, là, il passe. Il fait des allers-retours régulier devant ma fenêtre. Voilà. C'est pas possible de faire des enregistrements ici. C'est même pour y habiter, ça. Voilà. Même pour y habiter, c'est trop pénible. Trop de toujours. T'es là, y a toujours des gens qui sont devant. La fenêtre, ouais, t'as des gens devant tes fenêtres, tu sais même pas c'est qui. T'es trop exposé quoi. C'est un logement moi, qui ne convient pas. Je vous le dis, il ne me convient pas du tout. Logement trop exposé, trop bruyant, donc c'est pour faire ce que je veux faire, ça va pas. Donc là après, la problématique des logements, hein, ils ne te les donnent pas comme ça. Ici, il y a pas mal de logements en construction, de nouveaux logements sociaux, mais c'est pareil, ils ne te les donnent pas. Pas taille, ouais, je veux un logement, machin.
Ok, il te donne comme ça, c'est donc difficile, difficile. Il y en a qui attendent des logements et qui n'arrivent pas à en avoir. Donc moi déjà pour celui-là, je me suis battu, j'ai fait des demandes. Au début, il y avait rien, et puis au final, il y a des. Il y a des emmerdeurs, des gens qui ne respectent pas, comme il y a des gens qui mettent leurs poubelles dehors au lieu de les mettre dans le local, et puis tu as ce genre de d'individus là qui cassent les couilles aux gens, qui passent avec leur scooter, ils tournent en rond là, sur devant le truc, tu te demandes. Voilà, c'est ça, c'est. Assez pénible. Mais bon, on n'a pas le choix, faut faire avec. Et puis sinon, voilà, mais sérieux, j'ai eu une cliente. Mais sinon, voilà, ça a du mal à se développer, un manque de communication, manque de moyens, manque de tout, quoi. Donc après, en fait, les moyens du bord, hein. J'ai répondu à une demande, personne sortie de l'hôpital, hein, elle avait la jambe cassée. Elle me dit, j'ai plus rien à bouffer, j'ai besoin qu'on me livre des courses, j'ai besoin de médicaments, j'ai un fauteuil roulant récupéré, machin. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, je suis allé la voir. Je suis allé chez elle. Donc voilà, elle m'a passé ses documents. Je suis à la pharmacie, je suis allé chercher ses médicaments. J'ai fait la demande à la pharmacie pour son fauteuil roulant. Et puis je suis allé lui faire deux, trois courses au passage que je lui ai livrées en vélo, hein, rapidement. Donc j'ai accroché, donc mon caddie, enfin, derrière. Et puis donc j'ai livré rapidement. En moins de 2 heures, voilà, j'avais livré la liste de courses qu'elle m'avait demandé, et puis ses médicaments, puis je me suis occupé de son fauteuil roulant que la pharmacie doit lui livrer. Donc tout ça, pour 25 euros. Et si elle aurait pris, j'ai tarifé avec mon logiciel, mon outil là, que j'ai vachement pratique, là, vachement facile d'utilisation. Qui calcule au kilomètre très très rapidement par rapport à l'autre solution où j'ai en train de faire plusieurs jours, je me casse la tête, des nuits blanches, j'ai passé dessus, essayer de configurer cette copie d'Uber, de système de livraison, ben j'arrive pas à le configurer, c'est un casse-tête chinois le bordel, très compliqué, trop compliqué à configurer. Il faudrait que, voilà, que ce soit les services techniques là-bas. Il configure, mais voilà, le truc, l'outil que j'ai dégoté actuellement qui permet pour la livraison de calculer au kilomètre, très facile à configurer, de mettre ses